Ayo, salutations à toi famille, en espérant que tu te portes bien. Eh ben écoute, moi ça va à merveille. Je suis très content, très heureux de tomber une fois de plus dans cette nouvelle vidéo. Eh ben, dans laquelle nous parlerons du QR code et des nouvelles restrictions carrément concernant le coronavirus, concernant, j'ai envie de dire, les décisions qui ont été prises par les autorités. Eh ben, je me suis intégré dans différents groupes WhatsApp concernant les restrictions, les informations en rapport avec le coronavirus et consorts. Et ben, jusque-là, on n'en parlait pas assez. Sauf qu'il y a de nouvelles restrictions qui entrent en vigueur déjà demain, lundi 11 octobre. Et ben, pour tous ceux-là qui vivent en Russie, je pense qu'ils sont déjà au courant, puisque le message pullule sur les réseaux sociaux, plus encore sur Instagram. Moi, j'ai été informé de par quelques messages un mois avant, parce que là où moi je bosse, je travaille, il y avait tout le temps, on va dire, des informations du genre. Eh ben, l'entrée en vigueur, ce sera déjà demain. C'est-à-dire, le QR code, c'est un identifiant pour facilement détecter ceux qui ont été vaccinés ou non. Parce que le vaccin Sputnik est disponible depuis près de, j'ai envie de dire, de 3 mois déjà. Voilà, il y a une dose qui a été nécessairement admise par tous ceux-là qui ont bien voulu être vaccinés. Et tous ceux-là qui n'ont pas voulu, à savoir que ce sera chaud parce que l'entrée en vigueur, c'est déjà demain. C'est-à-dire, avant de te rendre dans un centre commercial, tu dois être en possession de ton QR code une fois tu y seras, c'est-à-dire à l'entrée. Pour rentrer carrément, tu auras simplement à le brandir, voyez-vous. Ce qui est un peu dommage pour tous ceux-là qui ne l'ont pas encore fait, moi y compris. Eh ben, je ne sais pas si y aura une certaine clémence par rapport aux étrangers, aux étudiants et tout. Mais jusque-là, je trouve que nécessairement, c'est une loi qui inclut tout le monde. Voyez-vous, il y a des restaurants, des cinémas, des endroits hétérogènes sont impérativement, j'ai dit alors impérativement, seront impérativement contrôlés. De par tous ceux-là qui n'auront pas le QR code, seront refusés d'accès, voyez-vous, dans ces genres d'endroits hétérogènes. Raison pour laquelle je me suis dit pourquoi ne pas faire une vidéo également annonciative, soit informative pour tous ceux-là qui sont en dehors de la Russie ou soit qui ne sont pas au courant, qui ne sont pas informés de cette nouvelle qui va tomber déjà demain. Et ben, le vaccin, jusque-là, il y a plus de peur que de mal, à savoir, il y a certaines personnes qui se sont fait vacciner sans retomber malade, voyez-vous. Eh ben, je connais un ami qui a souffert également du coronavirus pendant la même période que moi. Moi également, j'ai contracté, on va dire, ces virus. Dieu merci, je suis en vie. Dieu merci, tout est allé comme sur le roulette. Dieu aidant, en tout cas, je suis très bien portant, voyez-vous. Et ce qui a fait en sorte que mon ami puisse avoir le coronavirus pour la deuxième fois, c'était l'injection, on va dire, de ces vaccins. Après une semaine qu'il ait pu, on va dire, ces vaccins-là, eu ces vaccins, il est retombé malade. Il pensait que c'était une fièvre banale alors que c'était le coronavirus, fort malheureusement. Et ben, ce n'est pas la raison qui a fait en sorte que moi, je ne puisse pas me faire vacciner. Personnellement, j'ai compté réellement me faire vacciner il y a de cela un mois. Sauf que ce n'était pas assez sûr. Le centre était un tout petit peu, j'ai envie de dire, portatif, j'ai envie de dire. C'était mobile au fait. À chaque fois quand je finissais ma journée, je me décidais aujourd'hui là, j'y vais, je me fais vacciner normal. Et ben, l'endroit destiné pour le vaccin était toujours fermé. Mais je pense nécessairement, demain ou après-demain, je pourrais me faire vacciner en tout cas, pour ne pas avoir de problème. Et j'incite également tous ceux-là qui sont ici en Russie, qui se posent mille et une questions, et ben, si
Il y avait deux catégories de vaccins pour les étrangers, pour les autochtones. Rassurez-vous, il n'y a qu'une seule dose carrément jusque-là que tout le monde se voit injecter carrément une seule dose. Il n'y a pas de question, voilà quoi, d'avoir peur, nanani nanana, parce qu'on est étranger, parce que nanani nanana, de par ces pays, tout ce qu'on sait, on peut, voilà quoi, faire en sorte que les étrangers, nanani nanana, c'est faux. Eh ben, trouvez pas, on va dire, des excuses. Faites-vous vacciner s'il le faut, et puis voilà. Je pense que tout est bon, tout est clair. S'il y aura des questions, n'hésitez surtout pas à passer par le commentaire, par Instagram, qui porte le même nom que la chaîne. Donc voilà, portez-vous bien. Ciao, ciao.